Soyez les bienvenus dans le quartier des Épinettes, le plus grand vignoble du coteau. Oui, ça c'était vrai au Moyen-Âge, 4 hectares on faisait le pinot blanc. Pourquoi les épinettes? Eh bien parce qu'on cultivait des petites broussailles d'épines qui donnent ce petit goût au vin. Et c'est ici que nous ont donné rendez-vous nos invités, les Chunkies. Je suis un blasphème, mon âme est dans du blanc par du verre, au triste, incorrigible, troublé par des mœurs éphémères. Le monde est amer, alors je cours en arrière. Et je suis avec Solal, donc le chanteur du groupe Les Chunkies. Salut. Alors, comment est né le groupe? Alors, on s'est rencontrés, on est tous des potes de quartier. Donc ça c'est la halle des épinettes, donc c'est là où on a fait notre premier concert. Les Chunkies, d'où vient le nom, ça veut dire quoi? Quand tu trouves pas de nom, tu prends un dico, on le jetait comme ça, et le premier nom qui arrivait. Et on l'a acheté genre 40 fois, et au bout d'un moment on a vu Chunkies dans un Larousse anglais français. On a regardé ce que ça voulait dire, on a vu un argot en anglais, pépite, on a trouvé ça cool et on l'a gardé. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Regarde. Il y avait un monde fou quand même déjà. Ouais, c'était assez incroyable en fait. Tout le monde venait juste pour se marrer. Et les filles étaient comme des dingues. Exactement, on avait des sacrées pancartes. Ah ouais, du style. Du style, on vous aime. Une fois j'ai reçu un instructif genre sur le pied de micro, des trucs un peu, c'était années 50 quoi. Rock quoi. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas seul puisque vous êtes quatre. Exactement. Quatre, comme les quatre doigts de Mickey. Et on va les rejoindre. Je vous parle. Nous sommes là où tout a commencé pour les Chunkies, et il est grand temps de connaître le reste du groupe. Solal, présentation. Alors on a Pilou, guitariste, Ellie à la basse, et notre très cher batteur Tom, et moi-même guitare chant. Là je vois quelques vinyles sur la table, les Stones, les Doors, tout ça. Est-ce que ça a été par exemple des influences pour vous? C'est assez compliqué quand on nous demande de parler de nos influences, parce que déjà dans un premier temps on est quatre et qu'on a tous des influences qui sont franchement différentes. Bah ouais, il y a les Spice Girls, Christina Aguilera, etc. Voilà, évidemment. On écoute tous beaucoup Britney Spears. En un mot, ça serait quoi le style des Chunkies? Nous, on aime bien penser notre musique comme influencée majoritairement par du punk et du blues. Vous avez décidé de faire tout en français? Dans le travail de composition, en français, il y a une recherche de la mélodie qui est complètement différente de l'anglais. Parce que l'anglais, c'est une langue qui se porte à la mélodie tout de suite. Et donc, il y a une espèce de défi, en fait, qui est intéressant. Les premiers textes en anglais parlent... les sujets sont complètement différents. On parle de juste s'amuser. Et dès qu'on est arrivé en français, on pouvait dire des choses qui nous tenait vraiment à cœur. Alors là, on est à l'Opus 33. Ouais. Donc c'est le studio de la ville d'Issy-les-Moulineaux qui est en partenariat avec le Réacteur. Alors le Réacteur, c'est quoi exactement? Alors le Réacteur, c'est le nouveau nom de l'Entrepont. Et donc ça a réuni toute l'organisation musicale à Issy-les-Moulineaux. C'est eux un peu qui vous ont poussé, aidé? On a eu, grâce au Réacteur, une résidence, une fois. Et puis la possibilité de faire des concerts, d'avoir des conseils, même des conseils de son, d'enregistrement. C'est vrai qu'on a été vachement aidés et on a eu quand même un soutien professionnel. Qui vous a aidé à faire de grandes scènes comme La Cigale, Le Bateau Phare, le Gibus? Pas mal, non, pour un jeune groupe quand même? Ouais, bah on a, à force de répéter, de faire des concerts par la ville d'Issy-les-Moulineaux, on s'est vite dit que ce serait pas mal d'aller sur Paris et de rencontrer un nouveau public. Et les projets des Chunkies alors? On sort de studio, voilà, on reprend tout doucement les répètes pour des futurs concerts, avec un avenir pour le groupe qui est uniquement en français. Et parce que les Chunkies sont très sympas, ils nous ont réservé une petite surprise. Liberté chérie.